Bon, le titre du terroriste joyeux à portugais est moins beau, mais plus explicite. C'est osso. C'est un mot qui veut dire en même temps haut. Mais si on l'écoute, ça veut dire j'écoute, je t'écoute. Et c'est un palindrome, c'est-à-dire un mot qu'on lit de la même façon des deux côtés, de droite à gauche et de gauche à droite. Et pour moi, c'est ça, si on veut, le message de cette tragicomédie, cette réponse à moi, à la tragicomédie du monde, c'est qu'il faut écouter et il faut des fois penser que les autres sont notre miroir de deux façons au moins extrêmes. Une, ils sont notre miroir parce que nous les appelons terroristes, mais peut-être qu'ils peuvent nous appeler la même chose. Peut-être que nous ne sommes pas les bons, il n'y a pas les bons et les méchants, évident. Et deuxième, c'est plus beau, c'est qu'il manque l'empathie. L'empathie, nous mettre dans la place de l'autre, c'est nous passionner pour l'autre, c'est la clé pour sauver le monde. Bon, je crois que mon récit, il est complet et je suis toujours très agacé. Quand les gens me disent que c'est du théâtre, parce que non, c'est le plus complet des récits au monde, parce qu'il y a la narration, il y a un poème lyrique au très début, et il y a aussi, oui, le dialogue. Et toutes les trois parties ont la même dimension, ont le même poids. Pas la même taille, mais exactement le même poids. Comme par exemple, si on met une tache rouge contre un cadre gris, la tache rouge, elle a aussi le même poids que tout un tableau gris, comme ça. Alors, pour moi, ce récit, Le terroriste joyeux, c'est très très complet. C'est comme un repas français. Je suis très très ravi d'avoir des lecteurs en France. C'est un pays où je suis venu aux années 70 travailler comme métèque au vendange et gagner 10 fois plus que dans mon pays parce que on était rien. Et je suis très content aujourd'hui, pas seulement d'être en Europe, d'être en France et d'être publié ici. Je me sens comme un mec qui a monté dans la vie. Je me sens vraiment un vrai nouveau riche de la littérature. Bon, j'ai dû me demander à mon éditrice, Nadège Agulo, qu'est-ce que ça voulait dire exactement usage, parce que je faisais confusion avec user, comme en anglais, ça veut dire faire vieillir, ça veut dire gâcher. Gâcher quelque chose ou trop gâter un enfant. Alors, ce que j'ai compris, c'est que l'usage du monde, ça peut être vu comme une chose belle. Qu'est-ce qu'on fait avec le monde? Et la première chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir usage du monde parce que le monde est plus grand que nous et plus important que nous. Il y a trop d'arrogance humaine vis-à-vis à une planète où nous ne sommes pas seuls. Des fois, on utilise ça pour dire nous ne sommes pas seuls dans la galaxie, parce qu'on s'imagine qu'il y a d'autres êtres ailleurs dans d'autres galaxies, des trous noirs, etc. Mais il y a d'autres êtres dans ce monde-là. On a déjà tué beaucoup d'entre eux, mais le monde est là avant nous, et le monde est plus important que nous, même plus important que M. Macron. Incroyable.